Nous n'avons pas arrivé à identifier des paquets sous moto tout avec plusieurs balles. Plus passé 4 jeunes garçons dans Mariani, ça a passé dans la vague insécurité à côté personne n'a pas épargné. Et la police n'a pas de contrôle en rien. Bandit a profité taille banda. Nous à la merci de Dieu. Et la vie est vraiment compliquée en Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde, nous sommes contents ensemble avec nous, tout dépend de l'air et moment qui compte pour regarder. Et puis dans des vidéos, ça, nous avons plaisir pour nous toujours informer et puis pour des nouvelles là pour vous, jolies. Dossier de sécurité, toujours, je kidnappe un entrepreneur sur route nationale numéro 1, zone Bon Repos, commune Quadébouquet. Ravisseur déjà demandé $600,000 américains pour libérer homme d'affaires ça. Yo kembe jeudi a fait pratiquement 2 jours. Et dans la même vidéo, ça n'a présenté au visage plusieurs bandits qui font partie équipe 5 secondes là, dans base Iso Cap Ferraillé, dans le village de Dieu. Et Mounsayo, c'est méchant criminel, méchant kidnappé. Yo fait partie parmi une plus gros groupe gang Cap Ferraillé en Haïti. Restez là pour quoi aller. Si vous pouvez faire ça, abonnez ensemble avec plus nouvelles avec information, c'est cool là sur Chanel Paola, Sofia TV 83. Gagné un entrepreneur qui kidnappé hier dimanche, c'est Jean Fidnel Saint-Just, grand frère syndicaliste Jean Rudy Saint-Just, qui kidnappé hier dimanche après-midi dans Bon Repos, une zone qui est située dans la commune Quadébouquet. C'est $600,000 américains ravisseur exigé pour capable libérer frère Jean-Rudy Saint-Just. Il y a l'autre cas kidnapping signalé hier dimanche là dans Bon Repos sur route nationale numéro 3 dans la commune Quadébouquet. Victime là c'est Jean Fidnel Saint-Just, homme d'affaires là kidnappé Sénégal-Exam, qui kidnappé pendant le tap quitté Onaville pour la Lacali dans Santo. Toujours dans Quadébouquet, d'après information syndicaliste Jean-Rudy Saint-Just, après ravisseur te fin posé Zaxi là, yo tiré les familles Saint-Just pour capable négocier avec lui. Donc, selon syndicaliste là, ravisseur m'a demandé $600,000 pour capable relâcher Jean Fidnel Saint-Just. Yon l'agent famille pas possédé et le pape qu'a collecté d'après Jean-Rudy Saint-Just qui m'a dit auteur action si là pour libérer frère pour capable rejoindre famille qui a glonagé. Toujours la question insécurité, nous pourrons finir avec défenseur de droits humains Jackson Pierre Noël qui a parlé sous affaire insécurité, les mêmes qui a produit là dans la commune Gressier, précisément zone Mariani, dans Cafou, tout côté Sayo, côté Zak insécurité au passissement d'après j'arrête. Ben nous pourrons finir avec la réaction Jackson Pierre Noël sur causer insécurité. Samedi qui était 7 janvier, un groupe NEC Axam débarqué sur moto dans Mariani 12, il a assassiné 4 jeunes garçons à Kabal. Plusieurs autres sont blessés. Zach s'est arrivé environ une semaine après kidnapping ancien député Smith Mathurin, quand la plateforme organisation Cap Défendre Droit Mounio pas caché inquiétude dit par rapport à quelle situation insécurité Cap développé dans la commune Gressier dernier temps. Silayo, parole défenseur droits humains, qui c'est Jackson Pierre Noël, qui c'est responsable de la plateforme organisation Cap Défendre Droit Mounio. Invitez nous écouter pour plus de détails dans le micro-collaborateur. Nous, Jean-Philippe Massé. Nous, même dans PNPDH, qui c'est plateforme nationale pour les progrès des droits humains, nous avons en pile inquiétude de ce qui a passé jeudi à la dans la commune Gressier. Et dans la date qui est 7 janvier 2023, nos groupes NEC armés qui débarqué dans Mariani 12, nous avons tué environ 4 jeunes garçons. Nous avons gagné équipe en balle dans l'hôpital jusqu'à 12 ans, nous ne connaissons pas comment il est. Ça a sauvé des problèmes qui sont liés. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas identifié est-ce que ces policiers en civil ou bien est-ce que ces bandits qui posaient action. Ok, seulement sécurité, tu as suivi une enquête qui menait approfondie pour joindre effectivement qui laisse les gens qui viennent poser action. Parce que si il y a des gens dans la zone, la boue, et puis on équipe les débarqués sur le moto pour venir tuer les gens, ça a un véritable problème lié où est droit à la vie, pas respecter vrai. C'est vrai, nous connaissons sous équipe PHTK pour une deuxième version. Arrivé sous Ariel Henry Jodiala, situation devient plus compliquée en matière de sécurité dans le pays d'Haïti, et pas seulement sécurité, tout le problème est la richesse de Bayasayo, mais ça a passé en la commune Gressier, il n'y a pas de compte bien, parce que dans la date déjà de ce passé-là, il a kidnappé ancien député commune Tirivier Payan, toujours dans la commune Gressier, dans la localité Saint-Antoine, et dans Mergé. Ok, mais jusqu'à présent, pas rien qui dit pour lui. Ok?
Petite intervention, Jackson Pierre Noël n'a toujours été avec lui, qui a lancé l'aide à l'autorité sous la nécessité qui gagne pour être capable d'aider, mettre sous commissariat Mariani. Nous pouvons permettre au côté, une deuxième fois, Jackson Pierre Noël, qui lui-même qui parlait sous drame, ça qui vient dans Mariani. Pendant le week-end, défenseur doit nous critiquer le comportement négligent policier commissariat Grissia qui passe sous école pour combattre l'insécurité dans la commune. Jackson Pierre Noël m'a dit autorité policière on mettait en sous commissariat dans Mariani pour découvrir commune ça qui risque de tourner en zone rouge même gens avec certaines autres communes en côté Jackson Pierre Noël toujours dans le coup Jean-Philippe Massé. Et là nous venons remarquer commissariat Grissier pas fait travail livré parce que si policier que tu as fait travail yo pense que si yon action passée environ 7h30 à 8h du soir et juste en demain matin vers 8h ou 9h du matin où elle a pour présence la police là et bon n'a pas avec commissaire police Grissier si que il va gagner assez de matériel faut être capable demander avec au gardio et matériel nécessaire juste pour capable freiner problème insécurité qui a développé en dedans commune Grissier c'est que nous c'est que nous connaît commune Grissier était toujours gang mais Jean et monsieur commencer par que je dis là ça son véritable problème qui est lié là n'a pas demandé encore avec et au état-major de la police, hein, puis capable de pencher avec le commissariat Grissier parce qu'il faut que du matériel. Ça fait un deuxièmement. Et Mariani, besoin en sous-commissariat. OK? Si il y a un sous-commissariat, Mariani, eh bien, le sang, il y a qu'à combattre la sécurité. OK? Mais si il n'y a pas un sous-commissariat, parce que dès que vous êtes Mariani, c'est juste Grissier ou adjoindre un commissariat encore. Ça, son véritable problème lié. Et bien, nous-mêmes, dans la plateforme, non, quand la bataille pour le droit à l'âge est capable de respecter, mais nous, ça va passer aujourd'hui dans la commune Grissier, son bail est chargé lié, parce que nous n'avons pas de monde qui n'est pas né du tout, surtout dans tout le pays, parce que nous, ça va passer dans Torsel, dans Peigné, dans Quoi des Bouquets, dans Canaran, ça, c'est un véritable problème lié. Mais je veux dire, la situation a commencé à compliquer dans la commune Grissier, nous avons demandé avec l'autorité, assumer la responsabilité, face à ce qui a développé, je veux dire, là, et dans la commune Grissier, précisément en dessous de la capitale. Et voilà, ça c'est exactement déclaration Jackson Pierre Noël qui est apparu sous situation mais ça qui a passé dans la commune Grissier dernier temps si là yo situation ça qui ben pile qui est sauté à cause d'un examen qui a décidé terroriser population dans la localité si là gain ancien gouverneur général Michael Jean qui estimait que pays gros pays yo yo ta dû même yo dû admettre que erreur yo mettait Haïti comme si façon que yo même tout contribué dans mettre Haïti dans situation que trouvait le jeune jeudi an et yo dû faire pression sous élite yo classe et ça yo jeudi an dans pays à différentes classes différentes en élite yo dans pays pour yo capable jouer une solution avec crise humanitaire que pays a fait face dernier temps c'est là yo et il est clair que jeudi a pays a trouvé une situation très difficile côté même souveraineté nationale pays a là li risqué et perdu par rapport avec ça qui a passé par rapport avec ça n'a vivre en un pays ça c'est ça qui déclare bon côté Michael Jean dans cadre d'un interview que avec presse dans pays Canada en pile pays comme Canada doit prendre responsabilité yo pour capable introduire ça dans les politiques économiques qui est adoué aider Haïti pour bataille contre les affaires criminelles en de pays, qui je dis a décidé de prendre pays en otage, qui est décidé là tout pour s'y mettre la troubla et théoriser la population haïtienne. Nous pas qu'à garder une situation comme ça côté chaque jour qui passait, eh bien, pays a vint, puis est difficile. Haïti pas maudit. Situation là, vu je ne je dis, hein, n'est pas croire son réalité côté que c'est maudit, Haïti maudit. Mais non, n'est quoi que je dis à fort qu'à femme, à garçon ici, qu'à faire politique en de pays, il y a dû manifester en pile volonté et gros volonté et pour garder comment capable d'une solution dans la crise pays qu'on est jeudi. Madame Jean, qui lui même été faite Haïti, que tout le monde connaît, sont d'origine haïtienne, qui s'était envoyé spécial UNESCO pour au pays appelé Haïti et qui jeudi a qui s'était représentante reine Canada et n'a dit bien tout qui s'était ancienne gouverneur dans le pays Canada. Je dis à Michael Jean, fait qu'on est en bien pile côté passé dans la capitale haïtienne, c'est une armée, c'est un exam qui contrôlait. Hein, qui contrôlait cette ville à Port-au-Prince. Jean-Zamia a toujours me dit, Jean-Pierre Mounet me dit là, c'est un Port-au-Prince qui encercle avec la question nèg armée, dans l'entrée nord, dans l'entrée sud, dans quelle localité, mais qui dans la région métropolitaine Port-au-Prince.
situation ça libère en pile tête chargé selon encore ça qui mentionné par bon côté Michael Jean il fait qu'on est tout mais dernier temps ça autour nek armé ça yo commettre en pile action sexuelle viol yo violé mesdames yo violé tifinou yo ta même violé monsieur yo touyé par un timoun yo en face en présence yo et ça qui la cause plusieurs milliers de familles des difficultés yo pas gain accès pour ta vie soins santé à cause nek armé qui prend ensemble des zones en otage yo pas gain accès pour jouer une question de courant et yo pas gain accès tout pour capable jouer de l'eau potable parce que nek exam occupé zone ça occupé espace ça yo qui la cause que ensemble de service ça yo mais l'état pas capoter ba moun qui dans zone difficile ça selon encore bon côté Michael Jean il parlait de plusieurs centaines moun mouri pendant l'année 2022 et plusieurs centaines moun tout kidnappé pendant l'année 2022 jeudi hein gagne un vide politique en Haïti puisque ou pas capable parler de institution étatique nou yo pas debout par rapport avec yo manque qui gagnait personnel politique là qui pas vraiment renouvelé d'après ça qui dit bon côté Michael Jean lui-même en juillet 2021 président Jovenel Moïse a été assassiné après répression qui était fait contre institution démocratique haïtienne dossier que je dis à la bon dans la belle question occident qui lui-même t'a intervenu pour te permettre Jovenel Moïse lui-même offrir les opportunités impunité dans la question bon je dis à affaire gang en pays tout ça yo lui montre que mais depuis plusieurs années là Haïti a connu des moments très difficiles question gang mais acteurs politiques nous yo femmes et garçons nous yo qui yo même pas conscient pas faire des sacrifices pour retirer Haïti dans la situation que le trouvait jeudi hein. Et ça fait dans ce sens Michael Jean mandé avec tout acteur concerné en d'un pays là mandé avec tout pays qui dit c'est gros pays en Haïti yo pour yo garder comment capable mais aider Haïti pour le sortir dans la situation que le trouvait jeudi hein. En pile acteur a réagi en Haïti quoi à l'étranger sous crise Haïti a fait face jeudi hein, pour regarder comment que problème que n'a vu jeudi hein, là est-ce que nous capable sortir la donne et comment nous capable sortir la donne et ces acteurs concernés yo et litio Jean-Michel Jandian hein, pour faire pression sur yo pour yo joindre une solution dans la crise que pays a lui-même là qu'on est jeudi hein. Nous t'avons gardé et en grosso modo nous capable dit eh bien intervention ça Michael Jean lui-même intervient avec et la presse dans pays et Canada. Nous poursuivons avec information nous prenons avec maître Caleb Jean-Baptiste qui c'est un avocat Kimberly Desrosiers la police a arrêté avec un certain petit chef la police a présenté comme un chef base qui les 257 dans mon Lazare Petroville avocat expliqué Kimberly était accompagné petit chef dans l'église Saint-Pierre 1er janvier passé pour aller prier la police a débarqué arrêté citoyen ça avec toute Kimberly qui c'est un mannequin et maître Caleb Jean-Baptiste dénoncé matraquage il dit qu'a fait dans dossier ça pour ça non jeune fille écoutez maître Caleb Jean-Baptiste Kimberly Desrosiers jeune influenceuse ça qui sont danseuses professionnelles qui sont qui dans mannequinat et bien elle était gagné un monsieur qui était accompagné lui qui c'est Steven Alix qui vient nous artiste petit chef moi voulais attirer attention tout le monde en général, je dis, M. Caleb Jean-Baptiste, avocat en seul monde dans le dossier. Kimberly Desrosiers. M. Caleb Jean-Baptiste, avocat en seul monde dans le dossier. Ça. Kimberly Desrosiers. Et ma vocale, et ma pour l'argent. Parce que Kimberly sont malheureuses qui va gagner comme. Ce sont un monde qui devine crier côté. Et puis, quand on crie, on dit, mais je vais appeler tout le monde. Elle regarde le dossier après enquête menée. Est-ce qu'on quitte ces jeunes influencés ça? Péri. Après enquête menée, elle pas quoi vous pas gagner manger à pot bali c'est mon qui a cotisé medel et m'a continué aider jusqu'au bout jusqu'à ce que li joine libération parce que li pas commettre aucune infraction en matière pénale la responsabilité est personnelle et bien il a arrêté Kimberly pendant la saute l'église en dans l'église c'est bien même en dans l'église c'est bien là qu'il saute l'église et puis il a arrêté monsieur à qui c'est Steven Alix qui est un artiste petit chef. Eh bien, peut-être que les policiers ont bousculé Estrène, frappé Estrène parce qu'ils ont arrêté lui-même. Il faut être honnête avec nous. Il dit que ce n'est pas possible. C'est droit que la police a défendu. Ce n'est pas possible. Si nous disons que nous arrêtons le monde, pour qu'ils soient obligés à battre comme ça. Eh bien, les policiers ont baillé un soufflet, ils ont frappé. Ils ont dit oh, mais c'est abugé. Et puis, ils ont tout dit le monter machine. Et comme ça, oui, nous avons monté machine. Non. Et puis, nous, elle vivait côté rivière. Je dis à là, toutes ces photos, elles étaient faites. Toutes ces photos, nous, elles étaient faites. Pas oublier. Photos, ça, yo. Nous, elle fait assez l'air, par exemple, et la faux promotion,
nous connaissons tout le monde qui est habitué à TikTok, qui est Instagram et l'autre bagaille. Nous comprenons que nous n'avons pas avant une image sale. Nous tous là, nous mettons belles photos sur le profil, nous mettons belles photos, nous mettons, est-ce que c'est ça qui est sale là? Non, ça qui est belle là, nous choisissons, nous mettons lui-même. Eh bien, mal de CPJ depuis le même jour, il y a un com de CPJ pour lui. Et il a accusé comme quoi il était accompagné de Steven Félix. Steven Félix, qui est Steven Félix? Tout moi-même, bah, vocal, non? Je dis ça. Mais si, est-ce que mon déca bandit, mes amis, pour avoir tout le côté chaque jour? Je dis le bandit, je dis le pas bandit. Mais on question posée, faut questionnement. En tant que citoyen qui doit ça.